Tout le monde, c'est NoGamerSoft, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Donc, sur présentation de mes jeux vidéo, on va tout de suite commencer. Petite ellipse. On commence avec Modern 3, qui est un jeu assez connu que moi perso j'aime bien. Après, il y en a, je jouerai pas. Ensuite, on enchaîne avec Black Ops 2. Ensuite, un jeu à ma foi assez bien que j'ai joué. Ensuite, on enchaîne avec Minecraft, un jeu de construction que vous connaissez sûrement. Donc, j'ai fait pas mal de construction dessus. Ensuite, on enchaîne direct avec CBK 2011. Enfin, en 2011, je l'aimais bien, mais c'est pas trop, c'est plus trop la claque. Ensuite, on enchaîne direct avec GTA, un jeu extraordinaire, c'est jouer, acheter. Mais franchement, moi je vous donne juste un peu mon avis sur les jeux, qui est assez bien. D'ailleurs, j'ai terminé la campagne. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Haze, un jeu à ma foi assez bien, mais j'ai pas encore joué au multi, j'ai encore joué qu'à l'histoire, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo. Survie ou presque sur Haze, mais excusez-moi pour la qualité de cette dernière vidéo. Oh, vu que j'ai changé de télé et maintenant j'ai rechangé. Et après, je vais rechanger pour un écran plasma. Parce que là, c'est pas un écran plasma. C'est pas un grand, mais il est assez grand. Et je peux brancher la PS4 dessus. Ensuite, on enchaîne direct avec Skylander. Maintenant, j'y joue plus. Mais avant, j'y jouais. Avant, j'aimais bien. Même que j'étais bloqué à un niveau. Ensuite, on enchaîne direct avec Battlefield Hardline. Qui est, à ma foi, assez bien. Un jeu de multi, comme vous, beaucoup le savent. Beaucoup de multi. Ensuite, on enchaîne avec Assassin's Creed Syndicate sur PS4 avec l'édition spéciale. Pourquoi je monte le derrière? Franchement, je ne l'ai pas encore testé. D'ailleurs, quand je vais le tester, je vais le tester avec vous. Ce sera une vidéo. Je ne mettrai pas découverte parce que je vais faire toute l'histoire sur ce jeu. Pas toute l'histoire. Demandez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un gameplay dessus. Ça veut dire, je fais plusieurs vidéos de son histoire. Je fais une mission à chaque vidéo, une ou deux si on a le temps. Ensuite, on enchaîne direct avec Minecraft PS4 que je n'ai pas encore testé non plus. Voilà, vous voyez la pile, comment elle est déjà assez grande. Là, voilà. Un jeu à mon foie qui a l'air qui est assez bien, mais je ne l'ai pas testé sur PS4. Je sais qu'il est bien sur PS3, mais voilà, comme vous voyez, édition PlayStation 4 et pas 3. Et on enchaîne direct avec les jeux de Wii. Je vais le mettre à côté, par contre, pour les jeux de Wii, parce que je ne mélange pas. Metal of Honor 2 Hero. Il est assez bien, mais dur à jouer avec les manettes de Wii. Ensuite, on enchaîne avec Malgrade Incident, un jeu que je n'ai jamais testé. Ensuite, on enchaîne direct avec Resident Evil 0, un jeu à ma foi pas si mal que ça, mais c'est pas le meilleur. Ensuite, on enchaîne direct avec ATV Fever, qui est un jeu c'est pas le meilleur, mais sûr, il y a mieux. Ensuite, Resident Evil 4 édition spéciale que j'ai jamais testé. Ensuite, des Superstar Kart, c'est un peu comme Mario Kart, sauf que c'est avec plusieurs personnages de Disney. Qui est à ma foi assez pas mal pour jouer entre amis ou en famille. Ensuite, avec Secret Files, Tunga, que j'ai jamais joué. Ensuite, Carnival, que j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus. À ma play. Que j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus avec un invité surprise, que je vais dire son nom, Kiki76. Et ensuite, qui à ma foi, c'est pas mal pour jouer en famille ou entre potes. Ensuite, on a Wii Music. Pour de la musique. Ensuite,
Franchement, c'est pas. J'aime pas trop. Ensuite, Juste Danse, pour ceux qui aiment danser. Vous êtes servis sur Juste Danse. Si vous voulez voir les prix, hein, ils sont là. Après, vous avez vu là où ils sont achetés. Cash Converter. Go! Alors, on enchaîne avec Speed Racer. Un jeu de course assez pas mal, mais un petit peu trop futuriste à mon goût. Alors. Et moi, je vous laisse sur ces images.